les gars, il est comme vous et moi. En plus, si quelqu'un mérite d'être enfermé, c'est bien lui. Les gardes sont pleines de bombes et on est bien armés. Alors pourquoi est-ce que je sens que ça va foirer? Oh oui! Il y a un paquet dans la salle de commande. Je pense que vous aimeriez aller jeter un œil. On écoute le patron. Hé, par ici, venez tous à l'aide! Oh non, pas toi! Qu'est-ce qui s'est passé? Réveille-toi, allez! Comment il peut faire tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Faut le trouver, sinon c'est notre tour. C'est pigé? On laisse là, on se sépare pour choper Batman! Écoutez-moi, je pense que la rumeur selon laquelle Batman voit du sang est fausse. Enfin, c'est ce que je crois. Batman a éliminé l'un de vous. Vous aviez remarqué? On écoute le patron. Quelqu'un a compris le jeu d'hier soir. Chef de la sécurité à l'asile du Joker.
Pour toute question, connectez-vous sur www.jecroisquejedeviensfou et m'habille comme une... Avancez. S'il vous plaît, vous pouvez nous lâcher. Nous n'essaierons pas de nous enfuir. Ce n'était pas moi. Ferme-la, tu j'ai rien fait. Bouclez-la tous. Batman, Batman, vous m'entendez? Il nous la emmène plus l'air si imposant et effrayant, n'est-ce pas, vous monsieur? Vous allez nous aider. Aidez-nous, s'il vous plaît. Sauvez-nous, s'il vous plaît. Je n'ai qu'à aller voir ton prisonnier, chérie. Si tu veux, mais dépêche-toi. Il a pas l'air en très grande forme. On dit fait. On devrait être désolé pour lui. Il ne s'est jamais vraiment remis de la mort de ses parents. Et ça l'a rendu plutôt fou. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, Wayne? Oh, il est parti. Ce n'est qu'un esprit tordu. Libérez-moi! Il est tout à toi, Joker. Oh, bon sang! Allez, Monsieur J, on est prêt! J'ai longtemps attendu ce moment, Batou. Commençons la fête avec un bang. De la peur, il y a l'oubli. La première fois que j'ai entendu dire que le Joker voulait prendre cette grande maison, j'ai pensé que votre bouffe était fou. Tu as échoué. Maintenant, souffre.
La première fois que j'ai entendu dire que le Joker voulait prendre cette grande maison, j'ai pensé, comme beaucoup, qu'il était fou. Quand il nous a exposé sa vision dans l'hôpital, destinée à s'assurer que les internés restent fous aussi longtemps que possible, j'ai cru qu'il était fou. Quand il bataillait sur le sourire au rasoir, je me suis dit qu'il avait raison. Situé sur une petite île de la baie de Gotham, nous ne reculons devant rien pour nous assurer qu'aucun fêlé ne s'échappe du poulailler. Une récente réussite avec Bruce Wayne, car classique de double personnalité, si tant est que j'en ai déjà vu un, a renforcé notre réputation d'abattoir avant-gardiste. Dr. Kane a refait le rêve et son appréciation. Maintenant, où est le problème? La folie t'emporte à jamais. Ça te plaît, cette surdose, petite chauve-souris? Gérer assez de toxines pour rendre 10 hommes fous. Mais qu'est-ce que tu es? Pourquoi lutter, Batman? Tu es aussi fou que nous. Tu as besoin de nous autant que nous de toi.
Et pour le prouver, j'inonderai les égouts d'acide gaz terrifiant pour abrutir tout le monde à Gotham pendant 100 ans. Joker ne sera pas furieux. Pourquoi il le serait? C'est lui qui a libéré Crane. Qu'est-ce qu'il y a en bas? Cellule de Killer Croc. Bon sang. Vous savez ce qu'on dit? Autant l'appeler son garde-manger. Pareil. On entre, on ne sort pas entier. Alors pourquoi l'épouvantail, Ivan? On s'en fout. J'ai verrouillé la porte derrière lui. Il n'en ressortira pas. Mais qu'est-ce qu'il dit là-bas, au fait? Pourquoi le patron le laisse circuler là? Je m'en méfie. C'est une distraction de plus pour Batman. Et ça me va. Comment ça? Si Batman cherche l'épouvantail, il s'occupera pas de nous, et on sortira peut-être d'ici indemne. Bon plan. C'est Batman!
J'ai la tienne aussi. Tu sais quoi? Elle pue! Tu es Doc. Ne refaites pas ça, Monsieur Crash, s'il vous plaît. Ça n'aide en rien. Je suis désolée pour le collier. Mais que pouvons-nous faire si vous insistez pour hospitaliser trois gardes? Attache-le où tu veux, Doc. Sachette où il y a peine. Je suis content d'attendre là. D'attendre la chauve-souris. Il va revenir et je le tuerai. Puis cache, puis toi. Dans tes rêves. Maintenant, lève-toi. Maintenant! Encore un pas, et ceci part à l'eau. La grotte se remplira de tes plus sombres, de tes pires cauchemars, et tu n'atteindras jamais tes racines au venin. Ne fais pas ça, Crane. Oracle, je vais dans le repère de Croc pour collecter les spores dont a parlé Ivy. Il est dans un vieux réseau d'égouts. Envoyez-moi les plans, c'est un vrai labyrinthe. Je n'ai rien à disposition. Bruce, vous êtes sûr de vous? Ça ressemble à des suicides. Je n'ai pas le choix. J'ai réglé le scanner pour trouver les spores nécessaires pour faire l'antivenin. Il va m'y conduire. Et pour Croc? Croc est un animal. Avec les bons pièges et les bons appâts, je l'aurai. Ça ira. Je vous contacte quand j'ai fini. Batman, vous m'entendez? Vous avez trouvé le repère de Croc? Je suis près du repère. Je vous contacte quand j'ai plus d'informations. Ces plateformes flottantes me soutiendront, mais enverront aussi des ondes sonores dans l'eau, ce qui indiquera ma position à Croc. Je vais devoir faire le plus vite possible.
J'ai déjà ton goût sur la langue. Ces spores ne contiennent pas assez d'antivenin. Il faut que j'en trouve encore.